Bonjour tout le monde, on est ici dans notre stade, Pierre Fabre, et pour commencer une nouvelle rubrique, et que ça consiste en interviewer des anciens joueurs qui sont évolués chez nous. Alex, comment ça va? Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien. Merci beaucoup voilà, d'accepter l'invitation d'être ici. J'espère qu'on va passer un bon moment. En quel âge tu avais en fait quand tu es arrivé à Brive et quel poste tu évoluais dans tes principes? Je suis arrivé à Brive, j'avais 18 ans et je jouais au poste d'ailier. Donc j'ai commencé ma carrière à l'aile à Brive. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde et votre surprise. Je pense aussi. Ouais. Quel est l'état d'esprit en fait, des Brives et par rapport au Castres et des choses voilà, que tu as pu vivre quand tu étais là-bas et voilà, des choses que tu as pu connaître ici? C'est deux clubs qui se ressemblent beaucoup en fait. D'une, leur situation géographique, c'est un peu des villes un peu enclavées, qui vivent très rugby. Ils ont un peu la même histoire, on va dire. C'est des clubs historiques du championnat et il y a une grande ferveur. Tu peux pas te balader en ville sans croiser un fan du club, donc c'est super agréable. Si tu devrais nous raconter un souvenir d'un match et Castres-Brive, quelle anecdote et au souvenir, tu peux nous raconter par rapport voilà, à un match et Castres Olympique Brive? Il y en a eu quelques-uns, mais je vais rester global, on va dire. Ça a toujours été des matchs très durs. Mmh. Très durs, âpres, engagés. Parce que c'est des clubs qui ont un peu le... Des bons matchs. Des bons matchs. Ouais, des bons matchs. Beaucoup d'agressivité. Mmh. Parce que c'est des équipes qui se ressemblent un peu au niveau du caractère. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ça fait toujours des matchs un peu chauds. Et après, écoute, Jean-Maria, que tu puisses laisser un message à tous les supporters, tous les gens qui nous regardent. Lâche-toi et laisse quelque chose. Non, mais comme tu le sais, voilà, le public a une place vraiment très importante dans le club, dans la ville. C'est vraiment un club à part où il y a un engouement énorme de ses supporters et c'est toujours un plaisir de venir au stade. Qui continue voilà, à supporter l'équipe comme ils le font, c'est vraiment un plaisir. C'est un plaisir de les avoir quand on est sur le pré, de sentir leur ferveur derrière l'équipe. Et puis encore maintenant, quand je viens en simple spectateur, c'est toujours super de ressentir un peu cette ambiance magique. Merci beaucoup Alex, ça a été très gentil voilà, d'être venu. Et bien voilà, on va se revoir très bientôt, comme on l'a fait d'habitude. Et bien encore, mille merci. Et merci bien, à toi. Plaisir d'avoir partagé ça avec toi. Bon, et bien, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez aimé notre première émission. Et bon match. Ciao. Ciao.